Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 19 pour notre série 100% Fent. Comme je vous ai dit, on est sur la vallée agricole, c'est fait. Tout d'abord, ça fait la deuxième fois que je refais la vidéo parce que la première fois j'avais tout bien fait et tout. J'ai même fait un petit accéléré sur l'ancienne map de ce qu'on avait fait avant qu'on déménage. Et du coup, malheureusement j'ai pas pu faire le montage. Du coup j'ai tout supprimé. C'est dommage. Bon, voilà. Donc vous savez pas ce que j'ai fait, mais je vais vous le dire. Donc j'ai récolté. Alors j'ai juste laissé pousser les cultures sur l'ancienne map et j'ai récolté le colza et le blé, je l'ai vendu, j'ai vendu mes terrains, j'ai récupéré donc tout le matériel, j'ai mis ici, et là j'ai acheté pas mal de matériel avec l'argent qu'on avait. Là il nous manque les vaches et il nous manque des bottes pour commencer. Aussi je voulais jouer avec le mode saison, mais ça fait planter le jeu carrément, donc ça le ferme complètement. Donc le mode saison n'est pas compatible avec la map. Pour l'instant sur la V3, peut-être qu'il y aura une V4 et dessus, non c'est la V2 ou la V4, je sais plus, je vais vous montrer. Est-ce que c'est la V2 ou la V4? Non, c'est la V3. Donc peut-être avec la V4 on aura peut-être le mode saison intégré dessus. Donc on aura juste, voilà. Mais je l'ai téléchargé, Donc voilà. Parce que je voulais faire les épisodes en mode saison, mais du coup j'ai pas pu. Bon, peut-être pour la saison 2, oui, parce qu'il y aura une saison 2 avec une autre marque. Moi je sais la marque que j'ai, mais pas vous. Dites-moi dans les commentaires ce que ça a comme marque. Voilà. Il y en a qui vont être tranquilles. Aujourd'hui, ça va être une présentation de. Une présentation de. Du matériel. D'accord, vous allez revoir le même matériel, mais du nouveau. Là que vous avez vu, il y en a pas mal de nouveaux. On va commencer par côté. Voilà. Aussi, il faut oublier parce que je vais trop vite. Voici ce que j'ai acheté comme terrain. Donc j'ai acheté le terrain où on est. Ce terrain à côté, c'est un champ d'herbe. Je vais transformer en zone phyto. Vous allez comprendre pourquoi. Celui-là il sera en herbe, donc ce champ que j'ai acheté il sera en herbe, celui-là il sera en herbe, celui-là il sera en herbe, celui-là ce sera le champ pour récolter, etc. Bon, là il faudra les décompacter, donc ce sera le prochain épisode qu'on aura à faire. Ouf, bah ça part déjà. Bon, c'est un peu bugué, hein, certains. Donc là on est dans le local phyto, dans la zone phyto. Donc je vous fais une présentation. Donc ici nous avons le godet qui est sur le mode hub. Alors je vais pas mettre tous les modes que j'ai parce qu'il y en a pas mal de modes, mais il y en a la plupart c'est des modes de base. Bah, c'est de base du jeu. D'accord. Donc j'en mettrai petit à petit, vous inquiétez pas, et au fur et à mesure des épisodes, je vous rajouterai les modes, etc. Mais là je vais essayer d'en mettre quelques-unes dans la vie sur le site. D'accord. Voilà. Wally Walou, donc ça c'est du mode contest, donc comme là-bas avec les big bags, c'est un pack, donc vous avez ça avec les big bags et vous avez d'autres trucs avec. Moi j'ai pris les big bags uniquement. J'ai mis un étagère pour mettre donc les godets. Bon, le gros il se met, mais bon, je peux pas mettre le petit à côté, donc du coup j'ai mis le petit en haut et j'ai mis le gros en bas. Donc ça c'est de base. Ici nous avons tout ce qui est stock de chaud et chaud et d'engrais. Donc là c'est un bâtiment en construction qui s'allume. Là faudrait que je mette des lampadaires aussi, parce que là bas c'est les bâtiments, c'est pas moi qui les ai posés, c'est déjà dans la map. Ça c'est posé, d'accord. Désolé si vous entendez du bruit. Et du coup il n'y a pas de lumière, donc ça c'est un peu dommage, mais bon, de toute façon on sera tout le temps deux jours, mais c'est plutôt la nuit. Si jamais je fais des épisodes de nuit, ça peut arriver, hein. Voyez, oui, voilà. Donc les big bags sont déjà remplis, hein. Donc là il y a de l'engrais, là il y a de la chaux. Il faut savoir aussi que là j'ai encore de l'argent parce qu'on va acheter les vaches, comme je vous ai dit. Donc c'est 50 000 € plus le foin, la paille non rubanée, l'herbe. Hein, voilà. C'est pour ça que
les champs que je vous ai montrés, s'ils ne sont pas semés, ben on les semera en herbe. Voilà. Alors, ici, on remplit. Alors, il y a un trigger, et je vais vous montrer, ça va faire chuter les fesses. C'est un trigger que j'ai placé où on peut remplir le gasoil de la remorque que je vous montrerai plus tard. Voilà, voili voilou. Ici, nous avons la machine engrais, donc attention, elle fait du bruit. Hein. Donc, ici, vous mettez le fertilisant, ici, vous mettez vos graines. Donc, vous pouvez mettre du blé, de l'orge et de l'avoine, et ça vous fait de la semence. Donc, voilà. Donc, là, j'ai pas pu en faire de la semence parce que voilà, j'ai pas encore on n'a pas encore. Bah, j'ai pas encore de blé, normalement, c'est prévu qu'il y ait du blé, mais j'ai oublié de mettre la croissance en off. Bah, il doit y avoir de l'orge, non, de l'avoine et de l'orge ou du blé, je sais plus, il y avait sur les deux champs, je sais qu'il y avait de l'avoine et l'autre, je sais plus. Et donc, du coup, ben, j'ai dû acheter des big bags. Je les ai remplis dans ces big bags que j'ai achetés. Donc, ça, voilà. Oui, c'est les big bags que j'ai achetés de base du jeu, que j'ai vidé dans les big bags que j'ai achetés. Ceci, voilà, vous pouvez les vendre, les acheter, les big bags. Donc, voilà, c'est comme vous voulez. Nous avons la petite remorque à fuel. La petite remorque à fuel. La petite remorque. C'est pour ça que si vous voyez différente, la même marquée comme ça. Petit ou en gros comme ceci en différentes couleurs, c'est pour les différencier. Voilà, c'est pas arrivé que mettons j'ai une cuve à lait ici et voilà, si elles sont la même couleur, je sais pas laquelle, cuve à lait, cuve à fuel, cuve à faire à produit dangereux et cuve à eau. Donc ceci c'est une cuve pour le fertilisant. Pour ça j'ai mis rouge, voilà, parce que c'est un produit dangereux, c'est du fertilisant liquide. Voilà. La remorque, c'est une remorque le bouche de l'essieu. Donc ici elle va transporter tout ce qui est grain, tout ce qui est grain vers la machine, donc tout ce qui est grain en vrac. Voilà. Donc le vrac je le mettrai ici pour la semence, et pour ce qui est grain je mettrai ici. Alors, vous inquiétez pas. Il faut savoir que ici c'était de l'herbe, etc. J'ai tout transformé pour que ce soit du gravier, que ce soit bien propre, nickel. Donc c'est nickel, c'est bien plat, c'est bien voilà. Donc voilà, comme je l'ai dit, on pourra vider en vrac dans ce bâtiment notre céréale et notre engrais. Voilà, c'est pour cette remorque, elle va faire que de la machine, ben, de la moissonneuse pour vider ici et de vider la machine ici pour, voilà, pour au moins être tranquille. C'est pour ça que le godet va nous servir pour remplir les big bags ou remplir carrément la remorque, ça dépend. Ou la machine, voilà, voilà. Donc on va passer côté ferme. Donc on va commencer par le béaba. Il faut savoir que la cuve c'est une 7000 litres, hein. J'ai pas pris gros gros gros, donc c'est une essieu 7000 litres, voilà. Ici c'est une 17000 litres, donc c'est le même pack, hein. Parce que j'avais un autre pack et du coup ben j'ai enlevé l'autre pack, celui-là il fonctionne parce qu'en fait l'autre pack ne fonctionne pas avec la machine qui est là-bas, qui est la machine à fabriquer les semences. Du coup, bah, ce pack fonctionne pour la machine. Du coup, comme ça marche, bah, j'ai enlevé l'autre. Comme ça ne fait pas de pack différent et de me tromper. Voilà, donc la cuve à lait, voilà. Donc de 17 000 litres. Wali-walou. Notre petit karcher que j'ai mis ici. Donc j'ai à peu près repris à peu près le même matériel que j'avais avant parce que j'ai dû rechanger. Voilà. Donc ici il n'y aura que les vaches, hein. Il n'y a que les vaches dans cette map. C'est tout. Donc voilà, le petit karcher. Le rouleau pour les rejets que les vaches font. Voilà. On va aller ici. Donc ici ça sera le télescope de la ferme, donc bah, il fera tout, hein. Comme je vous ai dit, il fera côté local zone phyto et côté ferme pour les vaches, etc. Donc vous voyez, il a la pince, c'est tout de base, c'est tout de base. Parce que j'avais un mode, c'est le même en mode, et j'en ai un autre, bon comme je l'ai sur ma partie perso, bah, voilà. Donc il faut savoir que j'ai déjà joué moi personnellement sur ma partie perso dessus. Moi j'ai déménagé une map, et du coup bah vous du coup j'ai dit bah pourquoi pas mettre cette série là
sur cette map. Elle est très bien, très jolie, très fluide. C'est cool. Voilà. Donc on a. Donc c'est toute base. La petite fourche. Le goya fumier. L'enrubanneuse. Bah, la balle. La pince enrubannée. Ici on a tout ce qui est côté serralier. Donc voilà. On a toujours un Sven. Le décompacteur en LMKM, je crois, je l'ai changé contre le Horsch. Alors j'espère qu'il va bien décompacter. On verra bien, on testera. S'il fonctionne pas, je verrai ce que je prendrai. J'ai changé le déchaumeur. Je sais plus ce que c'était. Non, je crois que c'est le même. C'est le même, c'est le même. Je sais plus. Je crois qu'on n'avait pas de déchaumeur. Je vais pas dire de conneries, mais dites-moi dans les commentaires. Pour ceux qui ont suivi la série. Donc du coup, ben là c'est un safari, lui c'est un... Voilà, mais Orch, Orch, Terrano 4 FX. Désolé, vous entendez hurler, machin et tout, voilà. Donc voilà, on a toujours notre Fendt 700, prototype. Il faut savoir que ce Fendt, j'ai essayé qu'on me... Voilà, j'ai essayé maman. Sur l'accéléré, normalement ce que vous devez voir sur l'accéléré, mais que je n'ai pas pu, hein, je l'ai supprimé, il a du mal à tirer la benne du chêne. Alors est-ce que c'est lui? Est-ce que voilà, est-ce que c'est mieux que ce qu'est la remorque? On ne sait pas. Donc voilà, voilà. On a toujours notre Lemken Safari 8 en semoir. Donc notre remorque du chêne que j'ai acheté dans l'ancienne map. Elle fait 15 tonnes 700 je crois. Et comme je dis, sans passant Fendt, un rime avec moissonneuse Fendt. Donc c'est la... Voilà, celle du modèle. Donc c'est la 6275. Parce que j'ai la même sur un... J'ai la même, c'est la même. Elle est sur une autre... sur un autre site. Voilà, c'est la même fonction, voilà. Avec la barre de coupe de la LFD, donc de Guigui de la LFD, si on suit la vidéo. Voilà, repliable, j'aime bien, ça coupe repliable, et puis au moins on passe partout. Bon, sur cette map, il n'y a pas de clôture, mais si vous avez des clôtures, c'est ce que je vous conseille, une barre de coupe repliable. Vous perdez moins de temps à charger la barre de coupe sur une remorque, et à trouver un endroit pour bien vous mettre, pour que la moissonneuse puisse prendre un barre de coupe, etc. Ça, c'est toujours la galère quand vous avez des barres de coupe de 6 mètres, tout là. Là, elle est repliable, c'est une 5 mètres 6, tout un truc comme ça, mais elle est repliable, donc voilà, voilà. Ici, la mélangeuse, donc c'est celle du modem, hein, pareil. La Triomix 1200, voilà. Notre la pailleuse Kuhn, comme on n'a pas de portée, donc j'ai pris celle-ci, hein. Kuhn de base, hein, voilà. La même cuve mais en eau cette fois-ci. Pareil, même contenance. Donc voilà, voilà. Ça c'est du modèle pour ce voilà. Si vous avez des questions sur d'autres, parce que voilà, je fais vite. Ah, j'ai oublié de présenter la voiture. Je vais aller présenter la voiture. Ça vient du modem, j'ai oublié, on est arrivé ici mais on n'a pas présenté la voiture, donc ça sera la voiture de notre fonction. Donc voilà, alors c'est donc vous avez la voiture et avec ce mode là vous avez la voiture et la cuve, d'accord. Alors la cuve elle est un peu buggée, voilà, je vous avoue, hein. Mais vous pouvez faire plein dedans, donc ça évite de transporter la remorque. Bon, la remorque ça va me servir pour vendre et pour faire plein des véhicules à la ferme ici. Et pour ce qui est dans les champs, etc., on prendra la voiture. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est une voiture. Je voulais pas prendre le Dodge Ram parce que je l'ai sur ma partie perso. Je crois que je sais plus sur son partir de zéro. Oui, la partir de zéro va revenir, hein, vous inquiétez pas. Faut que je trouve une map, mais on verra bien. Il y a plein de maps qui sortent, qui sont bien, mais on verra bien. Mais j'en ai trouvé une, vous inquiétez pas. Ça va reprendre, on va tout refaire. Voilà, voilà. Donc voilà, donc ça suffit, voilà, j'attelle la remorque, etc. Voilà. On a toujours manuel attaching et tout. On reprend en été. Donc ici, il faut savoir que c'est petit, donc quand vous avez tout le matériel comme nous, matériel de travail, c'est un peu compliqué de tout ranger. Alors là, vous entendez le vent. Hein. Ici, vous avez la petite labouche, donc comme je dis, c'est le modèle.
de Cimetière Games, donc si regarde la vidéo, très beau travail. Je l'avais pas pris, j'avais pris celle du mode sur la partie perso, donc le Dangreville en plateau. Mais je trouve qu'il, je sais pas si c'est lui qui a bugué ou c'est la route qui était mal faite, j'en sais rien. Donc ici voilà, oui, c'est du gravier, voilà. Donc on testera si c'est bien. Donc il y a deux types de pneus, moi j'ai préféré ces pneus-là, donc voilà. Voyou, voyou. Vous pouvez, voilà, vous pouvez ranger là, si vous avez, si vous jouez sur cette map, vous pouvez ranger comme moi, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Mais si vous avez, savoir qu'il y a une autre ferme fictive. Ah, enfin, le jeu charge, mais il sauvegarde. Ça, par contre, on peut l'enlever. Si regarde, il dit, on peut l'enlever. Hein, je crois que sauvegarde non. Ou sauvegarde tous les 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Là, il est en 15 minutes par défaut. Vous avez ici, en point vert, ferme fictif. D'accord? Alors, vous pouvez pas l'acheter, mais vous pouvez stocker vos véhicules. Donc, ça peut être une ferme céréalière. Mais vous pouvez pas l'acheter, vous pouvez pas placer de trucs. C'est pour ça que, bon, ici, voilà, tout tient. Voilà. Mais sur ma partie perso, j'ai dû prendre la ferme fictive pour mettre tout mon matériel de céréalier. Et tout mon matériel de l'élevage, ben, j'ai mis ici. C'est pour ça que, ici, ça rentre tout. Ben, j'ai rangé à peu près la même place de ce que j'avais sur ma partie perso. Hein, quand j'avais joué sur cette map, donc voilà. Je savais à peu près. Donc ici, il faut savoir que 515, je l'ai vendu, d'accord. Mais j'ai acheté un autre tracteur qui sera un valet de ferme. Il y en aura un autre qui est prévu d'acheter, on verra bien. Donc c'est le 400, 400, 400, c'est pas marqué ici, c'est marqué de l'autre côté. 412, d'accord, avec son bâti de chargeur. Voilà, voyou, walou, quick. Donc je crois que c'est sur modem, quick, je sais plus. Avec la masse qui est aussi sur modem. Le tracteur n'est pas sur modem. Voilà. Mais je vous mettrai quelques liens, vous inquiétez pas. La presque une. Donc voilà. Hein. Pour les rondes, parce qu'on va faire les rondes. L'enrubanneuse qu'une. Donc ça c'est un mode aussi. La faneuse, je crois que c'est celle du base du jeu. Oui. Qu'une ZF 8712. Nous avons la faucheuse de celle de base du jeu. Donc voilà. Que j'aime bien. Wali-walou. Donc ici c'est les vaches. Les barrières sont toutes seules, hein, vous inquiétez pas. Il y a le silo, mais bon, nous on va faire de l'enrubanner. Bon, j'ai fait propre, hein, vous inquiétez pas, j'ai tout fait propre. Ici, notre bâton gouvernemental. Ici, ici, le petit rouleau. Par contre, si vous utilisez le petit rouleau, je sais plus si je vous l'ai dit, il a deux fonctions. Si vous l'achetez dans catégorie cultivateur ou des chômeurs, je sais plus, il travaille la terre, voilà. Donc il remplace le cultivateur, voilà. Par contre, si vous le prenez en sarcleuse, ça enlève l'herbe. Donc moi, je l'ai pris en sarcleuse, donc il en herbe. Pour ici, nous avons un tracteur, donc ça sera le petit tracteur, il a 116 chevaux. L'autre tracteur, le nouveau qu'on a, c'est un 170, je sais plus. Voilà. Donc pareil, la masse sur modub. Lui, c'est un Fen Favori 611 et les ça, donc 116 chevaux, je crois. Donc j'ai mis en Rofine. Et on est avec le. Alors, il est de base ce pulvé, ce épandeur, mais il épand que de l'engrais, c'est tout. Du coup, j'ai trouvé un mode, donc c'est le même, mais cette fois, celui-là c'est un mode hein, que je vous montre, mais on peut mettre de la chaux, donc ça évite d'acheter un épandeur à chaux ou de louer. Donc comment dire, la bétaillère maçon, moi je l'aime bien, je la kiffe, c'est la plus jolie. Et nous avons la rubaneuse Ursus avec des films roux verts. Donc pas le film vert mais le plastique vert. Donc c'est ce qu'on utilise par chez moi. Je sais qu'ils avaient testé une presse en rubaneuse. Comme
Comme c'est la presse que je voulais, bah, comme le DLC classe, hein, dès le début. Voilà. Donc il y avait un de 76 Max qui a fait cette presse aussi. Mais j'attends toujours, c'est pour ça que l'on prend ceci comme en urbaineuse et la presse à côté. Voilà. Donc ici, c'était un petit peu comme ça, un petit peu. Voilà, j'ai aplani, j'ai fait comme il faut. Hein. Mais c'était un petit peu ondulé. Bah, attendez, je vais vous montrer, c'est par ici. Savoir qu'il n'y a pas de point d'eau hein. Comme ça, donc du coup j'ai aplani, j'ai fait propre et j'ai mis un petit truc pour faire style que ça prend dans la petite mare l'eau. Voilà, c'est bon. Donc il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'endroit pour remplir d'eau, donc voilà, vous pouvez mettre ça aussi hein, vous faites propre, etc. etc. Aussi, ce qui est prévu, il y aura le DLC classe qui va sortir donc le 22 octobre. Donc j'ai pas fait de vidéo parce que sinon j'ai pas envie de me dire que vidéo putaclic hein, parce que je connais certains youtubeurs qui font des vidéos dès qu'il y a la sortie du dès qu'il y a la vidéo de Farming Simulator sort, ben tout de suite ils font une vidéo putaclic, ça sert à rien. Voilà, moi j'ai même pas regardé leur vidéo, j'ai regardé la vidéo de Farming Simulator tout court. Donc il y aura le DLC classe, j'ai prévu de prendre peut-être l'autre DLC en version qui est sortie. Ça, je verrai bien. Donc, voyez Walou pour ce qui est des infos. Donc, peut-être que sur 100% fait, on aura des classes. On verra bien. Parce que ça va un peu changer le matériel, etc. Vous inquiétez pas, on va faire pas mal d'investissements, pas mal de ventes. Vous allez voir. Donc, merci d'avoir suivi pour cette petite présentation. Voilà, je fais une présentation de la ferme de 100% fait. Il y aura peut-être d'autres trucs qui vont arriver, comme les vaches, de la paille, etc. Peut-être d'autres tracteurs, on verra bien. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker ou à disliker. N'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si toujours pas fait. N'hésitez pas à suivre tout ce qu'il y a dans la description. Voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo. Prochaine vidéo, je ne sais pas si ça sera sur celle-ci, sur cette partie 100% fait, donc cette série, ou sur partir de zéro, je vais voir. Ah aussi. Pour ce qui est de la série bois, je vais l'arrêter complètement. Je vais vous dire, je vais l'arrêter. Voilà. C'était bien. Du coup, ben, je vais l'arrêter. Peut-être qu'on va refaire une série bois plus tard. Mais pour l'instant, je l'arrête parce que ouais, il faisait un moment qu'on avait fait cette série, mais j'ai dit voilà, j'en ai un peu marre. Du coup, j'arrête et on verra pour une autre. On verra pour peut-être refaire la série plus tard. On verra bien. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis ben, à très vite pour une nouvelle vidéo. La prochaine fois, ça sera décompactage. Et peut-être un accéléré de l'achat des animaux, de la paille, etc. Vous allez tout voir dans l'autre vidéo. Vous allez voir. Allez, moi je vous dis bye bye pour une nouvelle vidéo. Et c'est Migaming. Au revoir.